J'ai entendu quelque chose. Comme à la mort. Ouais. Il y a un SDF qui vivait ici, je pense. Oh putain. Annette, du sang partout. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est vous qui activez la machine? Ok, d'accord, merci. Merci. Attendez, je fais la mise au point. Dans cette vidéo, je vais visiter un château qui se nomme le Château des Singes. Construit au XVIIe siècle, son nom provient des fresques et peintures présentes sur ses murs, car il représente des singes. En 1955, le lieu a servi de centre pour enfants et depuis, il a été abandonné en 2012. Ce lieu a connu des dégradations matérielles assez importantes. Depuis, la nature a repris ses droits et le château est resté en très bonne conservation. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Erdem, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve pour une urbex. Et aujourd'hui, on va visiter un château qui se nomme le Château des Singes. Voilà comment c'est. Donc sur les photos, on a vu que c'était des vieilles photos. Donc ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi intact. Du coup, voilà, on se retrouve avec ce petit château. Donc, j'ai investi dans du matériel. Dans un bras pour filmer ma tête. Du coup c'est parti, on va rentrer dans le château, on va faire un peu toutes les pièces. Et surtout on va essayer de communiquer pour voir s'il y a quelque chose. Du coup il y a mon micro qui bug. Donc si des fois il y a le son de ce micro là, et ben faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc on rentre. Hop, faut attention. Voilà comment c'est. Donc on est que deux aujourd'hui, mais on est avec ma mère. Bon, on va commencer par la pièce principale. Ici c'est le salon, je crois. Donc c'est une grande pièce. Et vous voyez que ça s'est effondré. Donc il y a des pièces qui sont effondrées. Ou c'est les murs. Ouais, je pense que c'est les murs. Donc on va passer à la deuxième pièce. Ça fait au moins 10 minutes que j'essaie de truquer le micro, de regarder. Ça me stresse un peu. Alors on a une jolie pièce là quand même. Super belle la pièce. Vous voyez, c'est pas tout cassé, c'est ça qui est bien. Bon, ils ont quand même cassé un peu. Il est en bon état, je trouve. C'est rare de voir ça en urbex. Donc, je vous mets pas l'adresse. Non, ne me demandez pas l'adresse. Je ne peux pas vous le donner parce que voilà, c'est interdit. Quand tu fais l'urbex, tu ne donnes pas l'adresse. À vous de chercher. Voilà. Donc là, on va allumer la lumière. Donc, regardez. Le plafond il a moisi. Il a moisi, ça s'est écroulé. On voit qu'il y a une petite machine à écrire là. Donc autour de nous aussi il y a des coups de feu depuis tout à l'heure. Donc si vous entendez des coups de feu, c'est normal. Petite cheminée. Petite chambre. Et encore le moisi par terre. Voilà. Ok, c'est un sous-sol. Et le sous-sol, il est effondré. Enfin, effondré. On peut pas y monter. Et puis ici. Ok. J'ai quand même eu un peu peur. Ok, il y a un étage, mais je pense pas que je vais y monter parce que vous voyez, hein, c'est tout cassé. Si j'y monte, ça va s'écrouler. Donc faut pas monter dans cette pièce. Voilà. Je vais essayer de pas faire la connerie. Bon, on va aller dans les autres pièces, voir s'il y a des choses. Il y avait une cheminée ici, elle a été détruite. Ouais. Donc on a un super escalier ici, magnifique. Ça c'est peut-être le sous-sol. Ouais, mais tous les sous-sols c'est impossible d'y entrer parce qu'ils ont mis plein d'objets à l'intérieur pour pas que les gens y rentrent. Du coup voilà,
C'est dommage. Ici, on a une super pièce. Je vais mettre un peu de luminosité. Par contre, cette pièce, je l'aime bien parce que, ouais, il y a des dessins. C'est magnifique. C'est magnifique, les dessins. C'est de la toile, regardez. C'est de la toile. Et avec la vieillesse, voilà. Mais il y en a, ils ont découpé des choses aussi. Peut-être qu'ils cherchaient un trésor ici, parce que... Je sais pas. Vous savez, des fois, derrière les tableaux, ils mettent des trésors, enfin, des coffres et tout. Alors là, il y a une pièce. On peut y accéder, je pense. Excusez-moi pour les coups. On peut y accéder par l'autre bâtiment, parce qu'il y a un autre bâtiment à côté. Et on a toujours le signe, je sais pas c'est quel signe, mais c'est marqué secret société of assu. Bah, j'arrive pas à lire. C'est bizarre. Si vous connaissez ce signe, vous me dites dans les commentaires. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre ici, a priori. Ça a pas l'air sauvé, tu dis? Non, t'inquiète. Non, ça va, ça. Pourquoi ils ont enlevé le plancher? Soit c'était pour se faire du fric. Ouf, ça sent. Ça sent le cadavre. Ah, ça sent. Ça sent bien dégueulasse. Ah. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça bouge en dessous. T'as pas entendu un son ? Si. J'ai entendu quelque chose. Comme la voix, c'est ça ? Ouais. Il y a un journal par terre. Ça parle des JO. Je vois le mot JO. Jeux Olympiques. Ouais. 2000. 2000. C'est à ton âge. Ça date de 2000. C'est à mon âge. Ouais. En plus, c'est de juillet. Moi aussi, je suis né de juillet. Bon, on va aller ici. Ah, il y a un téléphone. C'est un téléphone, ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une radio. Ah, attention, le plancher ici, il est abîmé. Ouais, regardez. C'est tout abîmé. Du coup, ça fait que... Ah ouais, d'accord. Il y a un SDF qui vivait ici, je pense. Oh putain. Ah non, il y a du sang partout. Oh là, non. C'est du sang? Oui. Oh. Attends, 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 il y a des traces sur le lit. Regardez. C'est récent, on dirait. Ouais, c'est récent. Ouais, regardez, c'est récent. Ouais, c'est flippant. Je vous cache pas que voilà, je flippe un peu. Bah, surtout voir du sang comme ça. Il y en a pas au plafond. Mais il y en a sur le. Oh, ok. Regardez. Il y a quelqu'un qui s'est mutilé. Il n'y a pas de traces de sang. Autre part dans le bâtiment. Enfin, c'est bizarre. Et je vous dis, je suis pas sûr. Hein. T'as le taser ou pas? Le taser. Prends le taser. Allume-le. Ah, ok. J'ai eu peur. D'accord. Regardez, il y a des pigeons. Wouah, sa mère. Je sais pas, j'ai entendu du bruit. J'ai cru que c'était un humain, moi. Non, non, en fait, c'est bien des pigeons. Hein. Il y en a partout. T'inquiète, là, ici, c'est du béton.
C'est du béton. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, ok. Bon, bah, magnifique toiture. Ça a été conservé. Wow. Par contre, il y a de la merde partout. Ça sent vraiment la merde. Bon, on va aller dans l'autre pièce, on va regarder ce qu'il y a. Bon, mais il n'y a rien de spécial en fait. Hein. Mais le plus flippant, bah, il y a du sang là. Le plus flippant, c'est. Vous savez, c'est quoi? C'est le sang. Je vous jure, c'était super flippant. Bon, il n'y a pas d'étage du coup. Bah, je veux pas aller ici, mais je vais regarder vite fait ce qu'il y a. Ouais, il n'y a pas grand chose. On va descendre, mais on a fait tout le bâtiment. Enfin, tout le château. Il nous reste un autre bâtiment là sur le côté. On va descendre tout en bas. Bon, là-bas, j'ai pas envie de m'aventurer hein, là-bas parce que j'ai entendu le grincement du sol. Donc, si c'est pour se retrouver à l'hôpital. Déjà que j'ai des problèmes de dos, vous le savez. C'est pas la peine. Regardez comment c'est magnifique le plafond. C'est un très beau château, il a du potentiel. C'est dommage qu'il ait abandonné. C'est vraiment dommage. Il y a vraiment du potentiel ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la... Dans l'autre... L'autre côté du... bâtiment. Allez, t'as fait tomber ton papier en mouchoir. Ton mouchoir. Ici, regardez, il y a un oiseau qui est mort. Je pense que il a été bouffé par un chat. C'est quoi ça? C'est un truc de... Cheval? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc de cheval. Regardez, le deuxième bâtiment, il est là-bas. Ouais, ouais. Donc, on va aller là-bas. Alors, je pense que c'était le truc des domestiques ici. C'était la petite maisonnette des domestiques. C'est tout détruit. Bon, on va regarder quand même. Hein, mais... Vous voyez, c'est tout. En fait, la toiture, elle s'est effondrée. Regardez. La toiture, elle s'est effondrée, donc il n'y a pas de toit. Ah ouais. Impossible d'accéder. Hein. Bah, en même temps, c'est tout détruit, quoi. Tiens, prends des photos de la fenêtre par exemple, des trucs comme ça. Tiens, la petite fenêtre qui restait là. C'est super beau hein, ici. Ouais. S'il y avait du potentiel, il fallait juste entretenir le bâtiment. Bon, là-bas, je vois qu'il y a un petit bâtiment. On va aller regarder ce que c'est. Et écoutez, ben, après, on va essayer de communiquer. On attend, on communique. Ouais. Ou sinon, on fait directement parce que le bâtiment est là. Vous entendez, hein, c'est la chasse. Ils sont en train de faire la chasse. Bon, là on va rentrer, on va essayer de communiquer. Hop. Bon, je vais sortir le câble de météor, les amis. On va sortir. On va le faire sur les escaliers. Alors, regardez, il n'y a pas de lumière. On va le poser assez loin. Hop. Ok. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est vous qui activez la machine? Ok, d'accord, merci. Merci. Attendez, je fais la mise au point. Ok, merci, merci, merci. Restez là. Ça marche direct. Hein. Si vous êtes là, refaites ce que vous avez fait avec la machine, s'il vous plaît. Activez les lumières de la machine si vous êtes là. Si vous êtes parmi nous... Nous, on veut juste communiquer avec vous. On vient, voilà, c'est pas pour vous déranger, c'est juste poser quelques questions, voir comment vous. Peut-être vous aider si vous voulez. On peut vous aider. Il n'y a pas de souci. Et si vous la touchez, elle va s'activer. Il y a des lumières qui s'activeront. Donc si vous êtes là, si vous m'entendez, s'il vous plaît, approchez-vous de moi. Approchez-vous. C'est très très important. Vas-y, prends le câble metteur. Je vais activer une lumière parce qu'il fait commencer à faire nuit. Vas-y, viens. Y a-t-il quelqu'un parmi nous?
Voilà, si vous êtes là. Oh. Merci. Attends. Mais il était là? Oui. Vas-y, pose des questions. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais éteindre la lumière. Pose. Dis, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes une jeune fille? Un enfant? Allah. C'est que ça achevait bien en plus. Bah oui. Bah écoutez, on part et puis on va pas vous embêter plus que ça. Donc voilà, on n'a pas pu rentrer en contact, c'est vraiment dommage. Mais j'espère que l'endroit vous a plu. Moi, il m'a vraiment plu, hein. C'était super intéressant de visiter cet endroit. Les aventures continuent, les urbex continuent, j'ai trouvé beaucoup de spots. J'ai même peut-être tourné des vidéos là-bas. Voilà, ça va arriver. Ça arrive, vous faire le montage, etc. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous me demandez sur Snap, il y en a beaucoup qui me demandent sur Snap et ça fait super plaisir. Voilà, c'est quand que les urbex arrivent, Erdem. Et je vous remercie aussi pour le nombre d'abonnés. On est presque à 10 000 abonnés, ça fait super plaisir. Voilà, je pensais pas qu'il allait avoir une hausse comme ça. Mais du coup, voilà, il y a eu une hausse et je vous remercie de tout cœur. Donc, activez la cloche car les urbex arrivent. Et voilà, moi je vais vous faire des bisous. Lâchez un like, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine urbex. Je vous aime, prenez soin de vous.